Salut à tous, un petit vidéo pour vous parler de Hyundai qui va lancer un bus, et oui, vous avez bien lu, un bus électrique avec 70 passagers maximum, un bus à double étage, donc assez haut, assez grand, assez long, et qui comportera 384 kWh de batterie. Donc j'ai calculé, ça fait l'équivalent de 6 batteries de Kona dans ce bus. Du coup, il y aura 6 batteries de Kona. Bon, par contre, l'autonomie, évidemment, dans un tel engin, ça ne sera pas plus de 300 km. Donc j'ai calculé aussi la conso, ça sera autour de 128 kWh au 100. Oui, vous avez bien entendu, 128 kWh au 100. C'est une conso 10 fois plus élevée qu'un Kona, finalement. Mais bon, vu que le bus, techniquement, il peut prendre 70 passagers et que le Kona, il peut en prendre que 5, on peut dire que le bus sera plus efficient que le Kona, même si évidemment la conso reste énorme, gigantesque. Alors, par ailleurs, Hyundai a dit que le bus pourra se recharger en juste 72 minutes. Alors, 72 minutes pour recharger 384 kWh de batterie. Moi, je dis c'est fort quand même. Là, c'est très très fort. Il faut carrément une centrale nucléaire pour recharger ce bus, hein, parce que là, on est sur du 350 kW de puissance minimum. Donc, je ne sais pas sur quelle borne ils vont se brancher pour recharger leur truc là, mais. C'est un EPR qu'il faut, c'est plus des bornes qu'on trouve à tous les coins de rue, quoi. Étonnant. Donc le bus pourra prendre 59 passagers au rez-de-chaussée, si on peut dire, et à l'étage 11. 11 seulement, bon. Voilà, c'est peut-être pour des raisons de sécurité. Du coup, le bus, il mesure 13 mètres de long quand même et 4 mètres de haut. On n'a pas sa largeur, je sais pas trop combien de large ça peut mesurer, je dirais peut-être plus de 2 mètres, je sais pas exactement. Bon, ça doit pas être beaucoup plus de 2 mètres quand même, parce que dans les faut circuler dans les villes et tout avec ça, donc je sais pas combien de large ça mesure un bus. Le moteur sera de 240 kW, donc c'est un gros moteur hein, quand même. Plus gros qu'un Kona, mais en même temps c'est normal, j'ai envie de dire, vu le monstre qu'il faut traîner. Donc c'est un projet quand même qui date de 18 mois de recherche, un an et demi quoi, et Hyundai lance enfin ce bus électrique. Donc c'est pas un bus à hydrogène, attention, hein, c'est bien un bus à batterie. C'est pas un bus à hydrogène. Alors pour le coup, moi je trouve que l'hydrogène serait plus adapté pour ce genre de choses, parce que là on se retrouve quand même avec 384 kWh de batterie. C'est un peu indécent, voilà. Alors l'hydrogène, moi je pense que ça serait quand même plus adapté pour les transports en commun. Personnellement, je suis un peu contre l'hydrogène pour les voitures de particuliers, on va dire. Je préfère les batteries à la limite. Mais pour les transports en commun, c'est vrai que le débat existe quand même, hein. Et puis, ouais, 72 minutes pour recharger ce bus, j'ai quelques doutes. Ou alors il faut vraiment, comme j'ai dit, une putain de centrale qui envoie des watts, hein. Donc voilà, Hyundai qui se lance donc dans des bus électriques. J'ai été assez surpris en voyant ça, mais pourquoi pas. Alors je regarde un peu ce qu'ils mettent d'autre. Apparemment, il y aura le LKA comme sur le Kona. Les Lane Keeping Assist. Il va suivre la ligne blanche en gros. Ben, c'est bien, il sera bien équipé. Le FCA aussi anti-collision, comme j'ai aussi sur le Kona. Non, c'est pas mal, c'est pas mal. À voir aussi le prix du bus. Est-ce que les villes pourront se permettre d'acheter ça? S'il n'est pas trop cher, hein, pourquoi pas. Mais encore une fois, il faudra vraiment l'infrastructure pour recharger ça. Parce que là, on part quand même sur 384 kWh de batterie. Et c'est pas en une nuit que sur une prise normale, tu vas recharger ça. Hein. Mais c'est énorme, quoi. Alors, je vais juste faire un calcul si on le branche sur une prise normale, ce que ça va donner. 384 kWh de batterie, si on recharge 2 kWh par heure à peu près, il faudrait combien d'heures? Il faudrait 192 heures, c'est-à-dire non-stop, il faudrait 8 jours. Oh la vache! Il faudrait 8 jours pour recharger complètement sur une prise domestique. Ah ben, la prise, elle fond déjà, parce que 8 jours non-stop pour tirer plus de 10 ampères, à mon avis, ça va faire bizarre, je pense, mais bon. Voilà, bah écoutez, si vous avez une centrale nucléaire chez vous et que vous pouvez vous offrir ce bus, et que vous voulez vous lancer dans les transports en commun, pourquoi pas? Pourquoi pas?
Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à réagir. Ciao.